Exercice 11, une histoire de grosse étoile bis. Depuis la Terre, le Soleil semble aussi gros que la Lune, voire dessin ci-dessous. Sachant qu'il est environ 400 fois plus éloigné de nous que la Lune, combien de lunes pourrait-on mettre à l'intérieur du Soleil? Autrement dit, le volume du Soleil est combien de fois plus grand que celui de la Lune? Bon, eh bien, ça signifie tout simplement que, puisqu'on voit le Soleil à peu près à la même dimension que la Lune depuis la Terre, alors que le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune ne l'est de nous, eh bien, ça signifie que, grosso modo, le Soleil est un agrandissement de la Lune de coefficient 400. Voilà. Donc, on va commencer par dire ça. Le Soleil est un agrandissement de la Lune de coefficient Ka égale à 400. Du coup, le volume du Soleil va être égal au volume de la Lune multiplié par 400 à la puissance 3. On est en dimension 3 puisqu'on parle de volume. Alors, ça va nous donner du coup 400 à la puissance 3. Tiens, regarde, hop, je récupère du brouillon. Je te montre comment on fait, hein. Si tu n'as pas ta calculatrice, pas de panique. Donc 400, on doit le mettre à la puissance 3. 400, c'est la même chose que 4 fois 100. Et tout ça, tu dois le mettre à la puissance 3. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir 4 à la puissance 3 qui va être multiplié par 100 à la puissance 3. Encore une fois, ça, ce sont les propriétés algébriques des puissances. Alors, 4 à la puissance 3. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Donc, on a 64. Et ensuite, 100 à la puissance 3, eh bien, ça va faire... Tu vois, 100, c'est la même chose que... Tiens, je décompose encore. Hein, 10 puissance 2, et tout ça, on le met à la puissance 3. Du coup, on a 64 multiplié par... Alors, 10 à la puissance 2 à la puissance 3, c'est la même chose que 10 à la puissance 2 fois 3. Alors... Tu vois, là, je suis en train de te dire, hein, je suis en train de te donner un moyen de retrouver ça sans calculatrice. Alors, ça va très vite, hein, quand tu connais bien tes règles, les propriétés algébriques des puissances. Évidemment, si tu ne connais pas ces propriétés-là, hein, si ce n'est pas acquis, si ce n'est pas un automatisme, eh bien, je t'invite à faire des fiches d'entraînement, tout simplement, pour créer les automatismes en question. Donc, on va avoir 64 multiplié par 10 à la puissance 6, du coup. Et donc, ça, ce sera égal à 64... millions. Voilà, 6 euros derrière. Ça veut dire que dans le Soleil, hein, le volume du Soleil, il est égal au volume de la Lune multiplié par 64 millions. On peut mettre 64 millions de lunes dans le Soleil.